Chers amis de KTO, bienvenue sous le soleil, en direct de Rome. Nous sommes sur la place Saint-Pierre avec cette assemblée. Nous attendons le pape François qui va méditer sur l'évangile de ce jour. Nous accompagnerons ensuite le pape dans la prière de l'Angélus. C'est une prière qui rythme la prière des chrétiens trois fois par jour en l'honneur de l'incarnation de Jésus-Christ. En commençant par l'annonce de l'archange Gabriel et la réponse de Sainte Marie, puis par la naissance du Christ et de sa vie parmi nous sur la terre. Dans quelques instants, nous allons apercevoir le pape depuis cette fenêtre où nous allons pouvoir entendre son message. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. L'odierna pagina evangelica presenta brevi parabole con le quali Gesù. La page de l'évangile de ce jour présente des paraboles très brèves avec lesquelles Jésus veut indiquer à ses disciples le chemin à parcourir pour vivre avec sagesse. Avec la question, est-ce qu'un aveugle peut guider un autre aveugle? Il veut souligner qu'un guide ne peut être aveugle, mais il doit bien voir, c'est-à-dire il doit posséder la sagesse, sinon il risque de causer des dommages aux personnes qui se confient en lui. Jésus nous rappelle ainsi l'attention de ceux qui ont la responsabilité éducative et de direction. Les pasteurs d'âme, les autorités publiques, les législateurs, les professeurs, les parents. Et il les exhorte à être conscients de leur rôle délicat pour toujours discerner le juste chemin sur lequel il conduit chacun. Et Jésus emprunte une expression de sagesse pour indiquer que lui-même est le modèle et le maître, la personne qu'il faut suivre. Un disciple n'est pas plus le maître que le serviteur, mais que chacun soit bien préparé, et ainsi il sera son propre maître. Ainsi, c'est une invitation à suivre son exemple et son enseignement pour être des guides sûrs et sages. Cet enseignement se trouve surtout dans le discours de la montagne, que nous entendrons trois dimanches dans la liturgie que nous propose l'Évangile, en nous indiquant l'attitude de la douceur et de la miséricorde pour être des personnes sincères, humbles et justes. Dans le passage d'aujourd'hui, nous trouvons une autre phrase significative, celle qui exhorte à ne pas être présomptueux et hypocrite. Pourquoi regardes-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère? Ne te rends-tu pas compte de la poutre qui est dans ton œil? Combien est-il plus facile de découvrir, de condamner les défauts et les péchés des autres sans réussir à voir les siens avec autant de lucidité? Nous, très souvent, nous cachons nos défauts. Nous oublions de regarder ce que nous faisons, mais nous regardons trop souvent les défauts des autres. La tentation est d'être indulgent avec soi-même, avoir de larges manches
avec soi-même. Et nous risquons d'être durs et de condamner les autres. Il est toujours utile d'aider le prochain. À chaque fois que nous cherchons à corriger notre prochain, nous devons nous rendre compte que nous avons aussi des défauts. Si je pense ne pas en avoir, je ne peux pas condamner ou corriger les autres. Nous avons tous des défauts et nous devons être conscients de cela. Mais avant de condamner les autres, nous devons nous regarder nous-mêmes. Ainsi, nous pourrons agir de façon crédible, avec humilité, en témoignant de la charité. Comment pouvons-nous savoir si notre œil est libre ou s'il est empêché pour voir la poutre que nous avons? Et Jésus aussi nous le dit d'une autre façon. Il n'existe pas d'arbre bon qui produise un fruit mauvais, et il n'existe pas non plus d'arbre mauvais qui produise un fruit bon. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. Le fruit, ce sont les actions, mais aussi les paroles. Aussi, par les paroles, nous reconnaissons la qualité de l'arbre. En effet, ce qui est bon tire de son cœur et de sa bouche le bien, et qui est mauvais en tire le mal, en pratiquant l'exercice plus délétère, le murmure, le bavardage, parler mal des autres. Cela détruit la famille, cela détruit les personnes à l'école, tant au travail, dans notre quartier. De la langue commencent les guerres. Pensons-y. Pensons à cet enseignement de Jésus. Et posons-nous cette question. Est-ce que je parle mal des autres? Est-ce que je cherche à salir les autres? Pour moi, il est plus facile de voir les péchés des autres que les miens. Cherchons à nous corriger un petit peu, cela nous fera du bien. Invoquons le soutien et l'intercession de Marie pour suivre le Seigneur sur ce chemin. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi, secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Digni efficiamur promissionibus Christi. Gratiam tuam quae sum Domine, mentibus nostris infunde. Uque angelo annunciante, Christi fili tui, incarnazione coniovium, per passionem eius et crucem, a resurrezione gloriam perducamur. Per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, regim aeternam dona eis, Domine. Et plus perpetua luce ad eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Et sos nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram.
benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, chers frères et sœurs, je vous salue tous, vous qui venez de Rome, de l'Italie et de différents pays, en particulier les pèlerins de Varsovie, Madrid, Ibiza et Formentera. Je salue la communauté du séminaire de Trente, ceux qui viennent en pèlerinage avec leurs parents. Aujourd'hui sont venus tant de personnes de paroisses italiennes, tant de jeunes qui se préparent à la confirmation et tant d'élèves des écoles. Je ne peux pas mentionner chacun de vos groupes, mais je vous remercie chacun pour votre présence et je vous encourage à cheminer avec joie, avec générosité, en témoignant partout la bonté et la miséricorde du Seigneur. Je vous souhaite à tous un bon dimanche. S'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Buon pranzo. Bon déjeuner et au revoir. Très bien, je remercie tous ceux qui nous ont permis la réalisation et la retransmission de ce direct, Telepace Vatican News, Pierre en régie, un grand merci pour votre fidélité. Prochain direct mercredi matin vers 9h30 pour l'audience générale avec le pape François et à 16h30 la procession et la messe des cendres.